faisant partie des infrastructures de base de notre pays, le dispensaire de Mulengi-Binza, situé dans la province de la Nyanga, comme d'autres structures relevant du pouvoir étatique, fonctionne désormais au ralenti. Sur ces images qui font la une des réseaux sociaux depuis quelques heures, la précarité et l'obsolescence de cette structure sanitaire est mise en valeur. Une Gabonaise donnant ainsi naissance à même le sol dans les conditions aussi précaires. Le slogan « Il n'existe pas une localité au-dessus d'une autre » est une utopie à Mulengi-Binza, car les conditions de vie ici ne reflètent guère un mieux-être. Comme si le processus amorcé par l'État est loin d'atteindre cette localité qui pourtant a vu naître les grands noms de ce pays. Comme vous le voyez, c'est une lampe tempête qui aurait servi de chauffage au nouveau-né. Non loin de là, un pick-up d'un usager servant d'ambulance. Le centre de santé de Mulengi-Binza manque presque de tout. Pourtant, le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang, après sa prise de fonction, a effectué le tour du propriétaire dans les principales offensives du pays. Voici sans doute autant de défis à relever pour relancer aussi l'économie sanitaire du pays.